quand une personne est testée positive au Covid, on reçoit l'information et elle va être contactée. Elle va être contactée d'abord par un agent call center qui va identifier les contacts de la personne 2 jours avant l'apparition des symptômes de pouvoir, et va permettre alors d'identifier les personnes qui sont à risque, c'est-à-dire des personnes qui ont eu des contacts pendant plus de 15 minutes à moins d'1,50 m de distance avec la personne contaminée. J'avais un petit peu une crainte au départ d'avoir des gens réticents, mais je trouve que les gens répondent relativement bien aux questions. Ils sont attentifs. Pour la plupart, ils ont été bien briefés par leur médecin. Et donc, quand on les a au téléphone, quand ce sont les premiers patients, ils ont déjà une liste de contacts qu'ils peuvent nous donner.